Salut les amis, comment ça va? Donc comme promis, je vous fais une petite séance de Taïso, donc avec échauffement, renforcement musculaire et étirement. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par s'échauffer les bras en mettant les mains sur les épaules. On va faire la même chose en arrière. Super. On va faire un bras, puis l'autre. En arrière. Super. On va faire des grands cercles avec les bras. En arrière. Un bras puis l'autre. En arrière. Super. On va essayer de faire un bras va aller vers l'avant et l'autre bras va vers l'arrière. Donc on peut venir mettre les deux mains devant, venir monter et descendre. On fait le tour complet, comme ceci. Super, on fait la même chose de l'autre côté, ici. Très bien. On va s'échauffer la tête sur le côté. De haut en bas. De droite à gauche. Et un cercle dans un sens et dans l'autre sens. Super, on va s'échauffer les poignets. Et on va faire la même chose avec une main. On va faire dans l'autre sens. On va faire la même chose de l'autre côté. Petit échauffement articulaire, on change de sens. Et on va s'échauffer les coudes. On va faire des grands cercles avec le bras dans l'autre sens. On va venir faire un rond. On passe dans le trou ici et on ressort. La même chose de l'autre côté. Dans l'autre sens. D'un trou et on ressort. Super, très bien. On va écarter les jambes bien, d'accord? Plus large que le bassin. Ici, on va mettre les mains sur les hanches, les épaules vers l'avant. On essaye de ne pas creuser au niveau du dos ici et on va venir faire des cercles dans un sens. Dans l'autre sens. Très bien. On va mettre les mains sur les cuisses ici et on va descendre la main au niveau du genou et de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Super. Alors avec la main gauche, on vient toucher le genou droit ou alors la cheville. Ici, on va venir remonter et de l'autre côté. On va venir inspirer
en descendant et en soufflant en remontant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Là, je vais venir mettre mes mains sur mes cuisses. Je vais venir fléchir d'un côté et de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Très, très bien. Maintenant, ici, on va venir serrer les pieds et on va venir écarter la jambe. Je fléchis et en même temps, je viens monter les bras. Ici, et je reviens. Je viens inspirer quand j'écarte les jambes et je souffle en serrant. Allez, 1, j'inspire, je souffle. Très bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici, là, on a les pieds serrés. On vient écarter. Je monte et je reviens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Très bien. On bouge un petit peu, on relâche un petit peu. On va faire la même chose. Donc, on a les pieds serrés. On va venir fléchir ici et je viens monter le genou. Je vais tenir 2 secondes ici et je reviens à ma place avec les pieds serrés. Je fléchis ici, je monte le genou, je tiens 2 secondes et je reviens. D'accord ? Allez, 1, je fléchis, je monte le genou, on peut mettre les bras comme ceci, écartés, et on revient pour l'équilibre. 2, et on revient. 3, et on revient. 4, et on revient. Et 5, et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici, je fléchis, je monte le genou, 2 secondes, et je reviens. Allez, 1, je reviens, 2, et je reviens, 3, et je reviens, 4, et je reviens, et 5, et je reviens. Super, nickel. Alors là, on va faire travailler un petit peu le cœur, d'accord? Donc ici, on va courir, d'accord? On va piétiner. Si je dis devant, vous mettez un pied devant, d'accord? Si je dis derrière, vous mettez un pied derrière, le pied que vous souhaitez. Si je dis à droite, vous mettez votre pied droit sur le côté. Si je dis à gauche, vous mettez votre pied gauche sur le côté, ok? Allez, on va commencer à piétiner. On piétine. Devant. Droite. Gauche. Derrière. On va accélérer un petit peu. Gauche. Devant, droite, derrière, très bien, super. On va faire maintenant des petits pas chassés, d'accord? Donc en fait, le pied gauche vient chasser le pied droit et le pied droit vient chasser le pied gauche, d'accord? On a les jambes de la largeur du bassin quand on a les jambes écartées, ici. Si vous avez des soucis au niveau des jambes, des genoux et tout, d'accord, n'hésitez pas ici simplement à venir
Ici, chassez un pied sans sauter, d'accord? Ici, ou alors vous pouvez faire hop, ici en donnant un petit saut, d'accord? On va en faire 10 ici. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Là, on va faire petit tsugihashi, d'accord? Petit pas de l'escrimeur. Je mets un pied devant. Par exemple, je mets mon pied droit devant. Le pied gauche vient chasser le pied droit. Et ici, le pied droit chasse le pied gauche ici. On va faire 5 fois d'un côté et 5 fois de l'autre. On met ses mains devant ici comme ça, comme si on avait une garde de judo ici. Et c'est parti. Allez, 1, et je recule. 2, et je recule. Je fléchis un petit peu mes jambes. 3, super. 4, et 5. Maintenant, on va faire la même chose avec le pied gauche devant. Ici, je mets mes mains devant. Allez, 1. Et je recule. 2. Je recule. 3. 4. Et 5. Afin de travailler l'équilibre, on va faire la même chose ici. Donc, j'ai mon pied droit devant. Pas de l'escrimeur ici. Et je viens monter la jambe gauche, le genou gauche. Je repose mon pied gauche derrière et je repars en pas de l'escrimeur. On fait ça 5 fois aussi. Allez, c'est parti. 1. Je monte le genou, je tiens 2 secondes. Je pose le pied derrière et je repars. 2. 3. Maintenant, on va faire la même chose avec le pied gauche devant. Ici, pied gauche devant. Allez, 1. Je monte le genou droit. Je repose mon pied derrière. Et je repars. 2. 3. 4. Et 5. Super, nickel. On va voir un petit peu et ensuite on va passer aux exercices au sol. Super. Alors, exercice au sol, on va être allongé ici, comme ceci. Je suis allongée. Vous pouvez avoir un petit oreiller sous la tête si vous souhaitez. On a les pieds écartés de la largeur du bassin, ici, des épaules. On va poser les mains par terre, ici, et on va venir lever le bassin. On va contracter les abdominaux, les fessiers, les cuisses, et on va rentrer le ventre pour le périnée. C'est un exercice qui va travailler beaucoup les fessiers. Ici, je viens redescendre et je remonte. On va venir ici, inspirer en montant, souffler en descendant. Et on va en faire 20. Allez, c'est parti. 1. Et je redescends. 2. Je redescends. 3. On inspire et on souffle en descendant. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. On souffle bien, on respire bien, on récupère. Et le prochain exercice, on va venir tenir pendant 30 secondes, toujours les mêmes consignes. On rentre le ventre, on contracte les abdominaux, les fesses, les cuisses et c'est parti. Allez, 1,
2, 3, 4. On fait des respirations profondes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On relâche. On souffle bien. On inspire bien. Et prochain exercice, on va serrer un petit peu plus les pieds. Je vais lever ma jambe à la verticale, ici comme ceci. Et je vais venir lever mes fesses. Mes mains sont toujours par terre. Et on va tenir comme ceci pendant 15 secondes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ouf, c'est difficile cet exercice-là. On repose. On relâche un petit peu, on récupère bien. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. On serre les pieds, on lève la jambe et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on redescend. On récupère. Le prochain exercice, on va venir lever les deux jambes à la verticale. Il y a un pied qui va venir vers le plafond, vers le ciel. Un pied vient vers moi. Et on alterne comme ceci. On alterne, on va faire ça 20 fois. On va faire des inspirations et des respirations profondes. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. On souffle bien. On inspire bien profondément. On récupère. Et prochain exercice, on va faire des petits battements comme ceci. Devant et derrière. On reste toujours bien haut. On va en faire 20 à chaque fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. Ensuite, on va venir pédaler. On pédale avec les jambes. On va le faire 10 vers l'avant et ensuite 10 vers l'arrière. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. On souffle bien, on récupère bien. Et là, on va faire un petit ciseau et un grand ciseau. Un petit ciseau et un grand. Allez, 1, 2, 1. On va en faire 10. 1, 2, 2. 1. 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1,
2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2 et 10. On souffle bien, on récupère bien. Super. Alors, le prochain exercice ici, avec les mains, on va venir pousser au niveau des genoux et les genoux vont essayer de revenir vers soi. D'accord? On essaie de garder toujours les jambes à 90 degrés. On va rentrer le ventre, contracter les abdominaux, contracter les cuisses et les fessiers et on va tenir 20 secondes comme ceci. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On souffle bien, on récupère bien. Et on va faire la même chose avec les mains derrière les genoux, d'accord? Toujours un exercice de gainage. Donc ici, on essaye de ramener les genoux vers soi avec les mains. Et au contraire, les genoux essayent de partir vers là-bas, de pousser. D'accord? Toujours, on rentre bien le ventre pour le périnée. On contracte les abdos, les fessiers, les cuisses. Et on tient 20 secondes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On souffle bien. Super. Alors, prochain exercice ici. Je suis assise, d'accord? Presque même exercice qu'on a fait à l'instant, sauf que les mains viennent à l'extérieur des genoux. On va venir serrer les genoux comme ça avec les mains et au contraire, les genoux essaient de s'écarter. Pareil, on va tenir 20 secondes. On fait des inspirations et des respirations profondes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche, on souffle bien, on récupère. Et le prochain exercice, on va mettre les mains, le dessus des mains, à l'intérieur des genoux. Les genoux essayent de se serrer et au contraire, on essaye d'écarter avec les mains. Ok, on va tenir 20 secondes aussi, on essaie de se tenir bien droite. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. On récupère bien, on souffle bien. Et le prochain exercice, ici, on va venir faire la planche. Donc la planche, travail de gainage, on va venir donc se mettre sur les coudes, d'accord? On se met sur les pieds ou alors sur les genoux. On essaye de faire une ligne entre les épaules, le bassin, d'accord? Et les cuisses. D'abord, on va tenir 20 secondes et ensuite 30 secondes, ok? Allez, c'est parti. On fait des inspirations et des respirations profondes. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On souffle bien. On récupère. Pour ces exercices-là, on rentre bien le ventre, on contracte bien à chaque fois
les abdominaux, les cuisses, les fesses, d'accord? C'est un travail qui bosse vraiment tous les muscles en profondeur. Ok, objectif, hein, dans quelques temps, c'est de faire 1 minute 1, d'accord? Et on va passer à 30 secondes. On écarte les pieds de la largeur du bassin. On fait une ligne bien droite entre les épaules, le bassin, les cuisses. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On relâche bien, on souffle bien. Super. Et on va boire un petit peu et ensuite on va travailler les exercices des bras debout. Allez, on va voir un petit peu. Alors, là, on va faire des exercices. Donc, soit vous prenez des haltères, soit vous prenez des petites gourdes, des petites bouteilles d'eau, d'accord? Ici, donc, position de base, on va avoir les jambes écartées de la largeur du bassin, d'accord? Jambes un petit peu fléchies, ok? Et on va venir ici monter les bras, d'accord? Ici, et on redescend. On va venir monter les bras, les haltères à la verticale, et quand on redescend, les haltères ou les gourdes sont à l'horizontale comme ceci. On vient inspirer en montant, soufflez en descendant. On va en faire 10. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on relâche un petit peu les bras, on bouge un petit peu les jambes en même temps. Et là, on va venir ici, écarter les bras comme ceci. Je les serre, d'accord? Et je vais venir les écarter, ok? Je vais venir en serrant, je vais venir souffler et j'inspire en ouvrant, ok? On va en faire 10 comme ça, d'accord? Je fléchis toujours les jambes, pieds écartés, d'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On relâche un petit peu. Ok. Ici, et on va venir monter les bras vers le ciel, devant soi, et on redescend. Comme tout à l'heure, quand on est en bas, les gourdes, les bouteilles ou les haltères sont à l'horizontale et en haut, elles sont à la verticale. Ok, je fléchis mes jambes par rapport à l'équilibre et par rapport au centre de gravité. Ok, histoire d'avoir un centre de gravité qui est bas, ici. Allez, 1, 2, 3, 4, 5,
9 et 10. Très bien. On bouge un petit peu les bras, d'accord? On bouge un petit peu les jambes pour relâcher, ok? Et ensuite, on va venir ici, hop, on va prendre une seule haltère, d'accord? Ici, je vais venir ici, monter mes mains vers le ciel, d'accord? Ici, je vais venir fléchir mes bras derrière, d'accord? Je mets mon haltère entre mes omoplates ici et je remonte, ok? On va venir ici, inspirer en descendant, souffler en remontant. On essaie de bien regarder devant soi, d'accord? Allez, c'est parti, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Très bien, super. Alors, prochain exercice, on va travailler ici les pectoraux, les aisselles, d'accord? Ici, je vais venir serrer mes mains entre elles, comme ceci. Donc, les coudes sont à 90 degrés, les mains sont à hauteur des épaules, d'accord? Ici, comme ceci. Et je vais venir serrer et relâcher. Je serre et je relâche au niveau des mains. Au niveau des abdominaux, on va rentrer le ventre, d'accord? On fléchit les jambes, ici, et on va en faire 20, ici. Allez, 1, je relâche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je relâche. Je souffle bien. Et ensuite, ici, on va faire la même chose, sauf que on va venir tenir en gainage pendant 30 secondes, d'accord? On creuse bien au niveau des aisselles, on serre bien pour les pectoraux, on rentre bien le ventre, on fléchit les jambes et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On souffle bien. On récupère bien. Super. On va boire un petit peu et ensuite on va passer aux exercices des jambes. Alors, ici, exercice de jambes, donc on va travailler les mollets pour commencer. On va se mettre sur la pointe des pieds, ici, et on redescend tranquillement. J'ai les jambes écartées de la largeur du bassin, ok, les mains sur les cuisses, ici, et on va en faire 20. On rentre le ventre, allez, 1, et on descend, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va serrer les fesses aussi, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche un petit peu. On bouge un petit peu les jambes, d'accord? Et le prochain exercice, ici, on va faire des squats, d'accord? Des flexions. Donc ici, je vais venir fléchir
mes jambes, d'accord? Je mets mes fesses en arrière, je viens remonter. Ça va être important de ne pas creuser au niveau du dos. Ici, je vais venir fléchir, d'accord? Je ne creuse pas au niveau du dos. Je remonte en soufflant et je vais venir me mettre sur la pointe des pieds. Et je redescends tranquillement, d'accord? On va en faire 10 comme ceci. On va venir inspirer. Je remonte. Je me mets sur la pointe des pieds, d'accord? Allez, 1. Pointe de pied. 2. Pointe de pied. 3. Pointe de pied. 4. Pointe de pied. 5. Pointe de pied. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. On souffle bien, on respire bien, d'accord? Et là, on va faire des fentes. Donc, les fentes ici, je vais venir ici avancer un pied, je mets ma main sur la cuisse, je viens descendre à 90, je remonte, d'accord? Je reviens à ma place et je vais faire la même chose de l'autre côté. Si vous avez mal au genou, vous ne descendez pas aussi bas, d'accord? Ici, la même chose de l'autre côté, j'avance mon pied, je descends à 90 devant, 90 derrière aussi. Ici, je remonte et je reviens. On va en faire 10. Allez, 1. Je remonte et je reviens. 2. 3. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Très bien. On relâche un petit peu, on souffle bien. D'accord? Et le prochain exercice, ça va être un travail d'équilibre. Donc ici, je vais mettre mes bras sur les côtés comme ceci. Je vais venir faire 10 battements devant comme ceci. 10 battements sur les côtés en ramenant bien le pied vers soi, d'accord? Et ensuite, 10 battements vers l'arrière, d'accord? Quand on fera vers l'arrière, on met bien les épaules vers l'avant, histoire de pas creuser au niveau du dos. Et on fera la même chose de l'autre côté ensuite. Donc on met les bras sur le côté. On part devant. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Sur le côté. Donc les orteils vers soi, le pied tourné vers soi. Allez, 1, 2, ça travaille les fessiers. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Cet exercice travaille beaucoup l'équilibre aussi. Ensuite, vers l'arrière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. On met les bras sur le côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur le côté, les doigts de pied vers soi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On va faire la même chose derrière. Allez. 8, 9 et 10. Très bien. On relâche un petit peu au niveau des jambes.
Super. Et là, on va passer à l'exercice de l'arbre en yoga. Donc ici, je viens mettre mon pied au niveau du genou. La jambe va venir vers l'extérieur. On commencera ici avec les bras sur les côtés. Et au fur et à mesure, si vous sentez à l'aise, vous mettez vos bras au-dessus. On va faire des inspirations et des respirations bien profondes. D'accord? Ici, je vais venir mettre mon pied au niveau du genou. On souffle bien. Et petit à petit, on va monter. On regarde bien devant soi. Super. On vient écarter et on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, je mets mon pied au niveau du genou, d'accord? La jambe bien sur le côté. Si c'est difficile, vous descendez au niveau du mollet, d'accord? Ici, je viens mettre les bras sur le côté. Je souffle bien et j'inspire bien profondément. Venir ici, passer aux étirements. On va venir ouvrir les bras. On inspire bien, on expire bien profondément. Hop. Ici, je vais me mettre sur la pointe des pieds. Je descends. Je viens sur le côté. Je reviens dans l'axe et de l'autre côté. Super, je reviens dans l'axe. Je viens écarter mes bras, je viens souffler, 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 souffler. Et j'essaye de toucher par terre. Si c'est difficile, on touche les mains sur les genoux ou sur les chevilles. Je viens fléchir au niveau de mes jambes. Je remonte. Super. Là, je viens écarter un petit peu plus. J'ai mes mains sur les cuisses. Je viens fléchir d'un côté. J'étire bien. Ça va travailler l'intérieur des cuisses. Ça va étirer l'intérieur des cuisses. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Très bien. Ensuite, je vais venir mettre, je vais faire une fente. Je mets mes mains sur les cuisses comme ceci, ici. Je vais venir fléchir et j'essaye de tendre ma jambe derrière. D'accord, ça va étirer surtout au niveau du mollet, de la cheville. Ici, je regarde bien devant moi. Et on va changer de côté. Très bien, super. On va étirer, bon, on va étirer au niveau des bras ici. Je vais mettre ma main entre mes omoplates ici, d'accord? Et l'autre main va attraper le coude, ok? Je vais venir bien étirer l'épaule, bien étirer le bras. On inspire bien, on souffle bien.
on va changer de côté. Notre main vient entre les omoplates. On attrape le cou et on tire. Super. On va travailler, on va étirer l'avant-bras. J'attrape mes doigts comme ceci et je viens tendre mon bras ici comme ceci. Voilà. Hop, je viens tendre. Vous allez sentir si vous montez la main ici comme ceci, ça va étirer plus. Super. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On attrape. Super. Et la séance se termine. J'espère que ça vous a plu. Et les amis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!